Le master spécialisé Management de la transition énergétique, c'est la mise en commun de visions, d'expertises convergentes au service d'un véritable enjeu sociétal, la transition énergétique. L'ambition de ce programme, c'est de donner corps à cette transition en décloisonnant son approche. Il faut casser les codes. Et c'est la volonté de ce partenariat entre deux grandes écoles, l'EM Lyon et l'ECAM Lyon. Les conséquences du changement climatique impactent ou impacteront tous les pans de notre société, toutes les formes d'organisation. Nous devons construire une trajectoire bas carbone vers une société pérenne et résiliente. C'est dans ce cadre-là que la transition énergétique opère. Et cette transition énergétique n'est valable, n'est possible uniquement que si nous prenons en compte toutes les dimensions et toutes les disciplines qui constituent une société. Technologique, économique, mais pas seulement, également sociale, managériale, juridique. C'est dans ce cadre que deux écoles, l'ECAM Lyon, une école d'ingénieurs, et l'EM Lyon, une école de management, ont décidé de se réunir. Nous avons un premier trimestre qui correspond à la compréhension des enjeux et des briques de base de la transition énergétique. Ce premier trimestre est appuyé avec le module Transforming Early Makers qui permet de développer des nouveaux modèles. Il se conclut avec un learning trip. Un second semestre vient parachever cette vision pour proposer des nouveaux outils et des nouvelles méthodes d'accompagnement au changement. Il est appuyé grâce à un réseau de partenaires qui propose des missions terrain sur différents secteurs, que ce soit la mobilité, le bâtiment, l'industrie, l'efficacité énergétique ou le renouvelable. La conception du master spécialisé a été commune entre nos deux écoles qui ont mis en commun leurs expertises, leurs ressources et leurs moyens pédagogiques pour la création de ce master, avec d'une part une approche managériale et pluridisciplinaire et d'entrepreneur d'un côté et d'autre part des modules scientifiques pour dispenser les fondamentaux de l'énergie. Et pour ma part, j'interviendrai sur le thème du développement durable et de l'éco-conception avec une prise en compte du cycle de vie des produits. En tant que délégué régional d'Engie, je constate trois choses aujourd'hui. La première, c'est qu'il faut accélérer la transition énergétique. On n'est pas du tout sur la courbe des 2 degrés et l'impact du changement climatique se fait toujours plus pressant. La deuxième constatation, c'est que la réponse, ce ne sera sûrement pas en faisant un peu plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Il faut vraiment changer le modèle. Et le troisième sujet, c'est que personne n'a seul la solution. Il va falloir apprendre à travailler ensemble avec des personnes qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas nos semblables, avec des collectivités, avec des associations, avec des citoyens. Il va falloir avoir une vue large. Moi, ce que j'attends des futurs diplômés de l'ECAM et de l'EM Lyon, c'est une certaine agilité, une ouverture d'esprit pour répondre aux besoins d'accélération de la transition énergétique. C'est une motivation. Il faut qu'il soit pétri de ce besoin de travailler sur la transition énergétique. Ils doivent aussi accepter de ne pas reproduire les codes de leurs parents, des anciens. Il faut inventer des nouveaux codes. Je cherche des profils créatifs. Et il faut aussi accepter de travailler avec les autres. Avoir du soft skills, pratiquer l'intelligence collective, savoir donner pour mieux recevoir.